pratiquement tout dit. Since Pastor Robert told you everything about our history? Et ce que j'aimerais ajouter avant de commencer à donner la parole du Seigneur. There's only one thing I'd like to add before we look into the Word of God together. C'est que depuis septembre, Eunice et moi, nous sommes les nouveaux responsables de cette cellule. I just want to let you know that since September, my wife Eunice and I have become the leaders of our antenna for Open Doors ministry here. Et nous sommes épaulés par notre frère Baudouin. And we are also supported by our brother Baudouin. Et aussi nous avons comme autorité morale et spirituelle notre sœur Eliane. And we have as our spiritual covering and counselor Eliane. Effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire ce matin, mais j'ai que 30 minutes. I have so many things I'd like to share with you today, but I only have 30 minutes. Donc, sans plus tarder, je vais demander à ce que l'équipe de communication puisse présenter la vidéo qui montre l'index de persécution, l'index de persécution. So we're going to start with a short video clip to show you the statistics. Avant de passer à la parole du Seigneur. Before we dive into the Word of God. Alléluia.
Merci. Thank you. Donc cet index que nous venons de voir ne prend pas en compte la période de COVID. So what we're realizing now during this period of COVID. Et clairement, j'ai deux choses à vous dire par rapport à ça. Is particularly expressed in two things that I'd like to share with you. En fait, lors du COVID, en Inde. For example, in the nation of India. En Inde et au Pakistan, voilà. And as well in Pakistan. Ceux qui étaient chrétiens. Those who were Christians. N'avaient pas droit à l'aide. Didn't have any right to any kind of help during the virus. On leur disait, où est votre Dieu? And actually, they were being told, where is your God? Et des frères et sœurs se sont envoyés de l'argent. So when brothers and sisters would share their resources and send each other money. Donc via porte ouverte en Inde. Through our ministry in India. Et nos frères et sœurs ont pu avoir de quoi manger. It is through our help that our brothers and sisters in the Christian faith had something to eat. Par contre, au Pakistan, ça n'a pas été le cas. However, in Pakistan, it was not the case. Et il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens d'arrière-plan musulmans. There were several Christians there who used to be Muslims. Qui sont retournés à l'islam. And because of the situation, they returned to the Islamic faith. Juste vous dire qu'il y a vraiment urgence. This is just to show you an idea of how urgent it is. Comme vous avez vu sur l'index. You saw it in the video clip that preceded this sharing. Un chrétien sur huit est persécuté. Do you realize that one Christian out of every eight Christians is persecuted for his faith? Et il est important que nous qui ne sommes pas persécutés. Especially a message for us who are not being persecuted. Puissions aussi les aider, les accompagner. We need to realize that we are here to help them and to accompany them. Alléluia. Thank you, Lord. Nous allons sans plus tarder passer à l'écoute de la parole de Dieu. Let's listen to the word of God now. Ça aura lieu dans Psaume 46. I'll be reading from 46th Psalm. Le thème cette année de porte ouverte. And the theme of this year in the Open Doors Ministry. C'est arrêter et sachez que je suis Dieu. Stop and believe or listen and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Be still and know that I am God. Donc nous allons sans plus tarder lire le psaume 46. We will be reading this psalm in French in its entirety. Please follow along in English. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia, amen. Je vais prier pour ce message. We're going to pray now. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es le maître des temps et des circonstances, Abba Père. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes l'opportunité de pouvoir témoigner pour nos frères persécutés, Abba Père. Je te prie pour ceux-là qui écoutent, Père éternel, que vraiment ce message puisse leur faire du bien et que réellement ils se rendent compte de l'urgence de pouvoir intercéder pour nos frères persécutés. Seigneur, merci pour ce message qui sera apporté. Amen. Amen. Donc, clairement, dans le psaume 46... In the psalm that we've just read, nous voyons comment est-ce que Dieu est bon. We see how good God is. Nous voyons comment est-ce qu'il il arrive à vaincre ses adversaires. And we see how victorious he is over his enemies. Et le thème, comme j'ai dit, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. As I said, this year's theme is be still and know that I am God. Ce matin, ce sont les chrétiens persécutés qui vont vous parler au travers moi. And so the persecuted Christians in the world today are going to actually speak through me. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. They have many things to say to you. C'est vrai que souvent c'est nous qui partons les encourager. And we are often called to encourage them. Mais aujourd'hui c'est eux qui vont nous encourager par leur parole. In fact, God put it on their hearts to encourage us. Au fait, ce thème-là nous permet de pouvoir examiner notre vie.
In fact, the theme that we're looking at today is actually allowing us to look at our own lives. De définir notre priorité. And to define our priorities. Ne pas gaspiller notre temps. We need to not be wasting time. Être focalisé sur la connaissance de Dieu pour mieux le servir. And need to be focusing on knowing God so that we can serve Him even better. Et nous savons clairement que nous vivons des temps pas bien. We realize we're living in a very unusual situation these days. Au travers ces moments-là, nous nous rendons compte que l'homme, avec son intelligence, avec sa sagesse, avec tout ce qu'il a, est limité. And through all this pandemic, we're beginning to realize how limited man really is in terms of his intelligence and his resources. Nous réalisons même que nos projets peuvent être réduits à néant. And we discover through the pandemic that our projects and our plans simply fall apart. Nous voyons que les gens, ils sont perdus, ils se demandent, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Personne ne sait. We see people all around us who are lost and in confusion and they don't even know what they're doing. Et le psaume 46 ici, il est écrit par rapport à une situation qui a eu lieu. The psalm 46 that we read is actually the result of a specific situation that happened. Dans le royaume de Juda, il est dit que le royaume d'Assyrie avait assiégé le royaume de Juda. What was happening is that the kingdom of Assyria was actually invading the kingdom of Judah. Judas, en ce temps, était dirigé par Ézéchias qui craignait Dieu. At the time, it was Hezekiah who was the king of that territory, and he was a man who feared God. Il aimait Dieu. He loved God. Mais ça n'a pas empêché l'Assyrie de pouvoir assiéger Judas. Even so, this did not hinder Assyria from attacking his kingdom. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que Ézéchias, il part dans le temple pour prendre des objets de valeur pour offrir au roi d'Assyrie. So what Hezekiah decided to do was take precious things from the temple to give them to the king of Assyria. En signe d'allégeance parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut rien face à lui. Because he realized he couldn't do anything else and so he wanted to offer this as a truce. Et le roi d'Assyrie, il part de cette posture-là pour essayer de montrer que lui, il est encore plus fort. But the king of Assyria wanted to show himself even stronger and more powerful than Hezekiah. Il va pousser le bouchon loin. So he wants to go to the limit. Il va partir devant le peuple de Juda et leur dire que mais vous comptez sur qui pour vous délivrer de ma main? And he's challenging the people of Judah. He's saying, so who are you going to count on to deliver you from my mighty hand? Mais regardez autour de vous, tous ces peuples avec leurs dieux, mais je les ai anéantis. Look at all the other nations around you and their gods. I've already destroyed them and conquered them. Le peuple de Juda s'est tu. So the people of Judah said nothing. Et ils sont rentrés dans la présence de Dieu. They entered into the presence of God. Et ils ont dit, mais Dieu, regarde ce qu'il dit de toi. And they simply said, Lord, look at what this king is saying about you. Et Dieu va se manifester. And they knew that God would manifest himself. Il est dit que cette armée d'Assyrie s'apprêtait à camper déjà pour attaquer le royaume de Juda. They knew that the enemy was already camped nearby, getting ready to attack. Il n'y a vraiment pas eu de combat. However, there was no battle. Ils sont morts. They all died. Pendant qu'ils dormaient, ils sont morts. They were sleeping during c'était the night and they didn't wake up. C'était la débandade et ils sont partis. And the remaining ones left. Et au travers ce psaume-là, celui qui l'a écrit nous exhorte vraiment à tenir ferme et garder espoir. So what we see in this psalm, the man that wrote it is actually challenging all of us to place our hope in the Lord our God. Et comme je le disais, Ézéchias, il craignait Dieu, mais il était assiégé quand même. Now, despite the fact that Hezekiah feared God, his nation was being attacked. Ézéchias aurait pu dire, mais Dieu, je te connais, moi je t'aime, lui ne te connaît pas, mais je suis assiégé. Now, Hezekiah could have said, Lord, I know you, I love you, and I serve you, but this king doesn't. Donc là, je ne compte plus sur toi, j'irai voir l'Égypte, j'irai voir d'autres pays, nous allons nous associer pour combattre le roi d'Assyrie. So since you're obviously not listening to us, I'm going to look for some other gods, maybe in Egypt or some other country, and I'll ask those gods to help us fight this enemy. Mais malgré cette situation, il est toujours resté fidèle à Dieu. But he did not do that. He remained faithful to God. Alléluia. Thank you, Jesus. Et plus loin dans ce psaume, il nous est dit, ce psaume nous donne une injonction. Arrêtez-vous. Arrêtez. S'il vous plaît. Remember what we read in verse 10? God is speaking to his people now and he's saying, be still. Arrêtez, c'est un tout petit mot. C'est un ordre. In Hebrew, this word is actually an order given. Mais il est plein d'importance.
However, it's a very important word. It has a lot of importance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, oui, il y a la mondialisation. What we see happening today in the world is globalization. Le matin, on se lève, on court dans les transports, on va au travail, métro, dodo, et souvent, on oublie les choses de Dieu. We get up in the morning, we go to work, we come home from work, we eat and we go to sleep. Parce que le monde, il va à une vitesse, franchement, je ne sais pas qui pourra l'arrêter. And sometimes we even forget about the priorities of the Lord because everything is happening so quickly in the world. Et le Seigneur demande, arrêtez. But the Lord is saying this. Il est important de s'arrêter. It is so important to be still now. Pourquoi est-il important de s'arrêter en tant qu'enfant de Dieu? Especially for us who are children of God. Parce que nous, c'est le moment où nous pouvons passer du temps avec Dieu. When we are being still, we begin to have quality time with God. Dieu veut ce moment-là pour que nous soyons proches, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions dépendre totalement de lui. And the Lord wants this quality time because he wants to be close to us, he wants to speak to us, he wants to teach us how to trust him. C'est vrai que pendant souvent quand je prie pour les chrétiens persécutés, very often when I pray for the persecuted church, je me demande mais comment est-ce qu'ils font pour tenir quoi? I ask myself, how on earth do these Christians last through all this persecution? Parce que clairement, ils se sont abandonnés totalement à Dieu. And it becomes evident to me that they have totally abandoned their lives to the Lord. Parce qu'ils savent réellement que lorsqu'ils traversent des problèmes, Dieu sera présent pour eux. They are fully persuaded that if they encounter persecution, their God will be for them. Le plan de Dieu au début de la création, c'était de passer du temps avec nous. Since the beginning of creation, God created man to have quality time with him. Il a fait le jardin d'Éden. He revealed this in the Garden of Eden. Adam et Ève étaient si bien là-bas. Ils venaient souvent les rencontrer. When God would come and fellowship with Adam and Eve. Mais comme nous, nous sommes les hommes et nous avons besoin de prendre notre temps pour l'utiliser comme nous voulons. But sometimes what we do as human beings, we say, oh, my time belongs to me, so I'm going to use it the way I want to. Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. And when that happens, our hearts become further and further away from the Lord. Ce qu'il faudrait qu'on retienne, c'est qu'il y a deux types d'arrêt. There are two ways of being still. Il y a un arrêt où nous le faisons par nous-mêmes. There's one way where you just decide by yourself, I'm going to settle down. Il y a un arrêt où c'est Dieu qui décide. But there's another one when God says, hey, I'm speaking to you, you settle down now. Et dans la Bible, in the Bible, we see one thing. Nous voyons que tous les arrêts qui ont été faits par Dieu. God himself always spoke to his children saying, now stop what you're doing, be still, listen to what I have to say. L'arrêt que nous connaissons qui est le plus frappant, le plus marquant, c'est l'arrêt de Saul de Tarse. The most amazing story we read of somebody being still forcibly by God was Saul of Tarsus. Et Saul de Tarse est devenu l'esclave presque de Dieu. And what happened in that moment of quality time, he had such a revelation that he became a bond slave of the Lord God. Et dans cette situation, nous pouvons prendre exemple sur nos frères persécutés. We can even use his example to consider our brothers and sisters who are being persecuted. J'aimerais vous partager le témoignage d'un frère, d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Wang Ming Dao. I'd like to share a short testimony from a brother named Wang Ming Dao. He's a pastor. En fait, Wang Ming Dao était un pasteur au temps où le communisme est arrivé en Chine. He was a pastor during the time that communism invaded China. Et les dirigeants ont voulu que Wang Ming Dao soit le pasteur. Soit le pasteur de l'église. And the people there wanted this man to be the pastor of their church. Et il a refusé parce qu'il sait que l'église qui était voulue par ces dirigeants-là était différent de lui sa vision. No, in fact, it was the authorities that wanted him to remain pastor of a Christian church, but he refused to do so because he knew the motivations. Donc, ils ont jeté ce pasteur-là en prison. And because of his refusal, he was thrown in prison. Mais pourtant, ce pasteur, il avait beaucoup de rêves. But he had many dreams. Il voulait prêcher l'évangile. He wanted to preach the gospel. Il voulait chanter. He had plans to sing for the Lord. Il voulait faire des campagnes d'évangélisation, c'est-à-dire le Seigneur. He wanted to work for the Lord and have all these evangelism campaigns. Et là, Dieu va l'arrêter. And that is when God made him be still. Donc il est mis en prison pendant près de 23 ans. He was in prison for more than 23 years. Et pendant ces 23 ans, il est coupé du monde extérieur. During that time, he was completely isolated from the rest of the world. Cet homme n'avait pas de téléphone. He did not have a telephone. Il n'avait pas de WhatsApp. He didn't have WhatsApp ni at the de Facebook. He didn't have Facebook. Et il n'avait no social media. He only had God and nothing else. Dans son jardin, il n'avait que Dieu. And in his little garden, he only had God. Donc, il ne voyait aussi que son plat qu'on lui apportait par jour.
Once a day, he was given a meal to eat. Donc, il n'a pas eu le choix de coopérer là avec Dieu. He had no other resources and nothing else, so he had no other choice. He had to cooperate with God. Il espérait tout de Dieu. And he drew all of his hope and confidence from the Lord. Et quelle est sortie de ce moment quelle est sortie de ces 23 ans de prison là? So, what was the result of 23 years in prison with God? Il a dit franchement qu'il a vraiment découvert un Dieu si grand. He shares in his testimony how he discovered a God that was simply enormous. Et le témoignage qu'il donne, l'exhortation qu'il nous donne ce matin, je vais le lire. I'm going to read a testimony that was given to us. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous, vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. He's telling us this. I was forced into prison, but you're forcing yourselves into your own prison. I used the time to seek God. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. And you need to learn how to seek God the same way I did. Construct your own prison, place yourself there, and do nothing else but spend time with Him. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Start to simplify your life and pursue the knowledge of God. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. You need to learn how to walk in the footsteps of Jesus because God loves His fellowship with you. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. He loves walking in the garden and meeting His creation. Tout comme dans le jardin d'Éden. As He did in the Garden of Eden. Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. The Lord is actually looking throughout the earth for those that He can fellowship with. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu. Don't forget, you are first created to have communion with God. Et deuxièmement pour le servir. And you have the opportunity to serve Him. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps. Now it is important to work, but if you don't slow down from time to time. Nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. You could actually miss God and miss the happiness that He wants to bring to you. Alléluia. That's true. Et même quand je prends Luc chapitre 5 verset 15 à 16, si vous avez le. We're going to look at the book of Luke chapter 15 verse. Luc chapitre 15 verset 15 à 16. Luke 15, verses 15 to 16, if you don't mind reading along in English, please. Il a dit sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. This is where we see Jesus coming and healing all the sick. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. And what did he do at the time? Les gens viennent voir Jésus. The people were coming to see Jesus, but he went out to the desert to pray. Pour être guéri. They came for healing. Parce que Jésus doit faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Because Jesus was sent by the Father to accomplish this work. Mais Jésus lui-même, but even Jesus knew when il se retirait, to withdraw. Il criait son jardin and create parce qu'il avait, his little garden. Il avait besoin de passer du temps avec Dieu. To spend time with the Father. Il faudrait savoir qu'il est important avant de servir quelqu'un de le connaître. Before you start serving someone, you need to get to know that person. Parce que aujourd'hui Baudouin, par exemple, ne peut pas travailler pour moi s'il ne me connaît pas. You know, for example, our brother Baudouin won't start working for me if he doesn't really begin to know who I am. Et donc, c'est vraiment important. And so this is a very important part of our relationship with the Lord as well. Deuxième point, sachez que je suis Dieu. The second part of the sentence, B, still says this. Know that I am God. Est-ce que je sais qui est Dieu et que je ne suis rien? Does the writer of this psalm know that God is God and a human being is nothing? Souvent, on aime s'attribuer la gloire. What happens is human beings sometimes try to attribute to themselves God's glory. Souvent, on se dit, c'est nous qui avons fait telle chose. And we celebrate our accomplishments. We did these great things. Et Luc 12, 19 à 20. And Luke chapter 12, verse 19 to 20 shows us something in the Word of God. Luke 12, 19 to 20. Ok, donc dans ce verset-là, la personne disait, mon âme, bois et réjouis-toi. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. This is the verse that says, I will say to my soul, you've got lots of things to celebrate, you've goods laid up for many years, just relax, just eat, just be merry. Et après, le Seigneur va répondre pour dire, mais insensé, tu sais pas que ce soir, mais je peux te reprendre ta vie.
But the verse after that reveals what happens. God says to him, "You're just a fool." Nous devons comprendre que nous ne sommes rien. So in his eyes, we're nothing unless we are obeying his word. Et aussi que nous ne méritons rien. We don't deserve all the blessings God gives us. C'est important que nous puissions le savoir. Just know this in the depth of your heart. Afin d'éviter d'être rempli d'orgueil. This will help you avoid the trap of pride. Il faut savoir que Dieu ne bénit pas parce qu'on a bien agi. You know, God doesn't just bless you because you've done the right thing. Dieu, il fait ce qui bon lui semble, quand il veut, comme il veut. God is looking for those who will obey him when he wants and the way he wants. Parce que si nous pensons que Dieu bénit parce qu'on a bien agi, you know, if we start to think that God's going to bless us if we do the right thing, on sera les hommes les plus frustrés de la vie. We'll end up being the most frustrated people on the planet. Parce que je peux être là, être dans l'église pendant 10 ans, servir le Seigneur de tout mon cœur. I can spend 10 years in the church serving the Lord with all my heart. Je vais prier pour un sujet depuis 10 ans. And I can be praying for the same subject throughout those 10 years. Rien ne se passe. But nothing happens. Et puis quelqu'un qui va sortir, qui vient d'arriver dans le Seigneur. And then I see somebody brand new, born again in the Lord. Il prie pour le sujet et puis il est exaucé. And his prayers are immediately answered. On risque de rétrograder. So what happens? We get discouraged and we may even backslide. Comprenons que tout ce que nous avons, c'est par grâce. Everything that we have is by grace. Je vais vous présenter le témoignage de notre frère Amar, c'est un frère égyptien. I'd like to share another testimony from a brother from Egypt. Donc comme je vous ai promis, aujourd'hui les chrétiens persécutés, ils ont beaucoup de choses à vous dire. You know, as I said, our persecuted brothers and sisters have many things to share with us. En fait, Amar avait été fait prisonnier parce que il voulait que Amar puisse parler de son réseau, de ceux qui l'aident à faire passer des Bibles. This man's name was Amar, and he was thrown into prison because the authorities wanted him to reveal who was distributing Bibles in the country. Il n'a pas voulu dénoncer son réseau. But he did not want to expose his brothers and sisters in that network. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans une chambre seule dans le noir. So what they did was throw him into an isolated little room, totally dark. Pour qu'il soit quand même fou. So that they were trying to make him go crazy. Il a commencé à perdre la tête. And he actually did start to lose it psychologically. Il sentait que sa santé mentale était en train d'en partir. And he felt like his mental health was beginning to dissipate. À telle enceinte qu'il se voyait dans une assemblée en train de dire « Crucifiez Jésus ». He actually had a strange vision about himself in a church ordering the people to crucify Jesus. Parce qu'effectivement, il perdait la tête. Because his mental health was degrading rapidly. Et il le dit lui-même, il a senti un ruisseau d'eau claire et fraîche couler au travers de la cellule. All of a sudden, and he tells this in his story, he felt like fresh water was flowing in the cell. Le lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là. And he jumped into the water in order to rinse off, wash himself off, because he realized how much Jesus loved him. Assis dans mes excréments avec tous mes péchés et ma foi en miettes. He writes this: here I was seated in my own excrement, losing my faith, and this water just flowed. Et ma santé mentale qui s'effritait. And my mental health was going. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Jésus-Christ m'aimait. But at that point, I realized, even in that condition, the Lord Jesus loves me. Et Amar a dit vraiment un message qui m'a aussi marqué, que je vais vous partager. And his next words really touched my life. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne. He said this: the desert is the place where God trains you. Pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. To show us, first of all, how unworthy we are of all his blessings. Et cela nous vide de tout orgueil. And we end up emptying ourselves of every single trace of pride. En contrepartie, however, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. At the same time, the more we empty ourselves, the more the love of God fills us to overflow. Ce n'est pas merveilleux ça? I really liked what he said. On nous vide de l'orgueil. So if we get rid of the pride, et c'est remplacé par l'amour de Dieu. We're getting filled with the love of God more than ever. Donc par rapport à... Je suis désolé. Donc, je pense que au travers ce témoignage, on doit apprendre à reconnaître Dieu. Through this testimony, we are encouraged today to recognize who God is. Dans nos épreuves. And especially as we go through trials. Reconnaître qu'il est présent. Know that his presence is with us. Et vraiment l'aimer plus que toute chose.
And in that way, learn to love him more than anything. L'attitude à tenir. To have the right attitude in order to stand firm. C'est que nous devons nous dire que nous ne serons pas payés sur cette terre-là. Requires us to realize that we're not going to get our reward on this earth. Faudrait se dire que l'éternité est en vue. We have to keep our eyes focused on eternity. L'assurance que le meilleur est à venir. And realize that the best is ahead of us. Nous devons aussi savoir que nous sommes des serviteurs inutiles. You know, we are not to be servants that are not useful to God. Et aussi, nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. But realize that one of the keys is to always be thankful to him. Parce que Dieu a dit qu'il domine sur les nations. God himself said that he reigns over the nations. Il domine sur toutes choses. And he reigns over everything. Je vais terminer par le dernier témoignage. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je pense. There is one final testimony that I would like to share with you before I close. En fait, c'est le témoignage du pasteur Ho Yeu Pha de Vietnam. A pastor that is located in Vietnam, Ho Yeu Pha. Il a fondé une église qui croissait de jour en jour. He started a church and that church began to grow day by day. Après 3 ans, il était à 5000 fidèles. At the end of 3 years, he had already 500 faithful members. Le gouvernement est arrivé, ils ont arraché toutes les Bibles, ils ont fermé l'église. When the government found out, they came to that location, they took away all the Bibles, and they closed the church. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à témoigner que Jésus-Christ est Dieu. But that did not hinder this pastor from continuing to witness that Jesus Christ is Lord. Parce que dans la prison, elle a pu convertir 96 personnes. He was thrown in prison, but what ended up happening was that he converted 86 people to Christianity. Il était isolé pendant 16 mois, mangeant des nourritures avariées. He was in solitary confinement for 16 months. Il n'est jamais tombé malade. But he never once became sick. Son message pour vous ce matin. So he has a message for us as well today. C'est qu'il dit qu'il a une théologie très simple. And he's following a very simple logic. Quand vous avez des problèmes, priez. He simply says this, when you have a problem, pray. Quand vous avez plus de problèmes, priez davantage. And when you don't have any more problems, pray even more. Il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'église. Because his mission was to underline the importance of prayer in church life. Et la nécessité de rendre grâce en toutes choses. And he especially insisted that the people of God learn to give thanks in all things. Alléluia. Thank you, Lord. Pour conclure ce message, to conclude my time with you, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu demande de nous arrêter, I want to say this to you. When God is speaking and saying to you, be still, c'est parce qu'il a des choses à nous dire et qu'il veut nous rencontrer. It's because he wants to come and meet with us and he wants to reveal things to us. C'est vrai que ce monde est rempli de belles choses. You know, there are many nice things in the world. Il y a le travail. We've got our work. Il y a les enfants. We have our families, our Mais children. Mais faudrait pas qu'on trouve toujours des arguments pour dire qu'on n'a pas le temps. But we need to lay those things aside and stop using them as arguments for not having time with God. C'est comme on dit, Dieu, j'ai pas ton temps parce que tu m'as donné des enfants. It's almost like saying, Lord, I'm not happy because you gave me too many children. I don't have time for you now. Dieu, je n'ai pas ton temps parce que tu m'as donné un travail. Or, Lord, I'm not happy because you gave me this work and now I don't have time for you. Il faudrait que nous sachions que ce temps-là, we need to realize how precious that time is. Nous allons rendre compte un jour à Dieu pour cela. We will give an account for the way we Qu'est-ce use que tu our as time. Fait de ton temps? So what have you done with your time, my brother? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? What have you done with your time? Pour marcher avec Dieu, il faut ralentir le pas. When you want to walk with God, when he slows down, you slow down. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. And that's when you learn to simplify your life and recognize that he is God. La première chose pour laquelle Dieu nous a créé, c'est pour être en communion avec lui. The first thing God created you for was communion with him. Comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden. As it was for Adam and Eve in the Garden of Eden. Nous avons aussi le choix de soit prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait. So today you have a choice. You can have the attitude of Jesus. Ou attendre que Dieu lui-même nous impose un arrêt forcé, comme ce fut le cas du COVID. And decide by ourselves to be still, or you can wait until God forces it on you, like he did through the COVID pandemic. On comprend que votre vie est assez agitée, il y a plein de choses à faire. Now we understand how complicated life has become. There's always many things Mais to do. Mais il est temps de ralentir le pas. But he is the one that multiplies. Il est temps de ralentir le pas. First of all. Amen. Amen. Thank you for listening. Je vais prier. I'm going to pray now. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es
le Dieu de l'univers. Lord, we bless you and give you all the glory because you are the God of the universe. Merci pour nos frères persécutés qui ce matin encore nous enseignent Jésus-Christ. Thank you for our persecuted brothers and sisters who spoke to us and taught us this morning through their testimony. Qui nous demandent de pouvoir créer notre jardin à nous. They're challenging us to be able to create our own Garden of Eden. C'est vrai que eux ils sont en prison, ils sont forcés par toi à créer ce jardin là. They've learned to do that because they've been thrown in prison. Mais nous qui ne sommes pas en prison, Seigneur, permets-nous de pouvoir créer ce jardin afin de te rencontrer. But Lord, those of us who aren't in prison need to learn how to create that meeting place. Afin que lorsque les épreuves arriveront, so that when trials arrive, nous soyons forts parce que nous avons mis notre totale confiance en toi. We will be strong because it's in the garden that we learn to place all of our trust in you. Nous avons besoin de te connaître davantage, Seigneur. We need to know Seigneur, you more. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Help your people, I pray. Aide ton peuple, Jésus-Christ. Help your people to know you more. Merci, Jésus-Christ. I thank you for that, Lord, in the mighty name of Jesus. Et donne-nous de savoir que tout ce que tu fais. Help us realize, God, that everything you do. Dans nos vies, nous ne méritons rien. In our lives, every blessing you give, we don't even deserve it. Tout est fait par grâce. Everything you give is give to us is by grace. Tu n'as pas de compte à nous rendre. You don't have to give us an account of what you do or don't do. Et nous devons accepter ta volonté parce que tu es souverain. But we receive and accept your will simply because you are a sovereign God. Merci Jésus-Christ. Thank you Jesus for who you are. Amen. And everybody said amen. 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 Wow. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette parole et tous ces témoignages encourageants. Thank you, Jonathan, for that word and all of those encouraging testimonies. Jonathan et Catherine arrivent ici sur le plateau. Voilà Catherine. Alléluia. Et Jonathan. Alors, Jonathan, dis-moi, je crois que c'est la première fois que tu prêches un dimanche matin. It's the first time you've preached on a Sunday morning. Bravo. Je crois qu'on peut vraiment le féliciter. Really, what a great first time. Alléluia. Good work. Merci. Et donc, on est aussi joint avec Eliane à ma gauche. We also have with us Eliane, who's sitting to my left. Et Baudouin aussi à droite. And Baudouin, who you see to my right. Et vraiment, j'aimerais profiter pour envoyer un grand merci à tous vos équipiers. I really want to take this time to say thank you to everyone on the team. On vous voit ce dimanche, mais je sais que avec vous, il y a beaucoup de frères et sœurs de l'Église. We are just seeing the three of you here today, but many brothers and sisters in our church are part of this antenna. Et vraiment, du fond du cœur, j'aimerais vraiment vous remercier. I thank all of you who are in this cell group. Pour le temps que vous consacrez. For the time that you invest. Et aussi le cœur que vous consacrez à cette bonne œuvre. And for the heart that you've given to God in pursuit of this work. Pour tous nos internautes, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions. I just want to remind those of you following this service that you can send us questions. Et puis nous aurons aussi un temps de prière à la fin. And at the end we'll have a time of prayer together. Alléluia. Donc, mais comme c'est moi qui tiens le premier micro. Well, since I have the microphone in my hand. Alors, je me permettrai de poser la première question. I would like to ask the first question. Déjà, j'étais juste interpellé par les statistiques. I was profoundly touched by the statistics we saw at the beginning. Déjà, si j'ai compris bien cette année, et je ne sais pas si on peut afficher la petite graphique que j'ai envoyée, mais bon, sinon ce n'est pas grave, mais presque 3000 chrétiens tués pour leur foi cette année. We discovered that there were nearly 3 million Christians, 3,000 Christians killed for their faith this year. And we're not even finished with the year. Et ce n'est pas encore la fin de l'année. Over 3,700 arrested. 3,700 arrêtés. And more than 9,000 churches that were targeted. Et plus que 9,000 églises ciblées par les attaques. I was part of a Zoom call a couple of weeks ago. Il y a quelques semaines de cela, j'étais dans un appel par Zoom. And a pastor who has many contacts in one of those persecuted countries, and I won't mention which one. Je discutais avec un pasteur qui avait beaucoup de contacts dans un de ces pays persécutés. Je ne vais pas le nommer. So my friend asked him, "What would be your main prayer subject?" Mon ami a posé la question aux frères dans ce pays, que sont les sujets de prière principaux? And he said,
Please pray that we do not become like the churches in the West. Voici ce qu'il a dit. Priez surtout que nous ne devenions pas comme les églises de l'Occident. Alors là, ça m'a vraiment frappé. That really struck my heart. Et alors, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment si mauvais? Is it because the church in the West is so bad? C'est leur perception de l'église de l'Ouest qui est mauvaise. Or is it their perception of the church in the West that is like that? Jonathan ou les autres, est-ce que vous aurez peut-être une remarque à faire par rapport à ça? Do one of you have some comments to make about this perception? Ok, donc pour revenir là-dessus, c'est vrai que il y a différentes perceptions de la chose. It is true that the church in the West is seen very differently in these persecuted countries. Parce qu'au fait, dans ces églises persécutées là, il y a vraiment pas le droit. They don't even have the right to do all the things that we get to do. Ils sont livrés à eux-mêmes. They have to figure it out all by themselves. Ils sont rejetés par leur famille. They're often rejected by their own families when they come to Christ. Donc ils se forment, c'est comme se forme une cellule où ils sont seuls. So they find themselves isolated and all alone. Et ils ne peuvent compter que sur l'Éternel. And they only can trust in God, count on the Lord, no one else. Ils passent plus de temps à rechercher le Seigneur parce qu'ils savent que c'est de lui seul que peut venir leur secours. Because of that, they spend way more time with the Lord because he is their only hope. C'est vrai qu'en Europe, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment ce problème-là. Now, we don't have those problems here in Europe, for Donc, example. Donc il y a une certaine lassitude qui peut rester et puis on va penser que oui, bon, tout va bien. And that can make us lethargic or apathetic because everything's going well and we don't learn to count on the Lord. Et on s'endort aussi sur nos lauriers. That's what makes us fall asleep as Christians. C'est pour ça que ce matin vous en parlez. That's why it was so important to speak to you. These persecuted Christians spoke to us today. Créez votre cellule. Créez votre cellule de prison. C'est ça. Créez votre prison à vous pour rencontrer Dieu. Create your own prison, your cell, where there is no one else but God. Yeah. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Oui, j'ajouterais que c'est aussi une bénédiction de Dieu que nous vivons dans un pays de liberté. You know, it is important to realize we live in a country where our faith is free. Et que nous ne nous rendons pas compte. And sometimes we don't realize it. Du manque de liberté. We don't realize what goes on with the other countries that don't have freedom. Peut-être à cause du Covid, nous avons légèrement effleuré le manque de liberté. Perhaps before COVID, we didn't even consider what it means to not have freedom. Une heure par jour, simplement pour sortir de la maison, faire les courses, etc. But when there was a lockdown and we only had 1 hour a day to go outside, maintenant 3 heures. Wow. And once it starts to diminish, now we have 3 hours to be leaving our house. Mais nous ne pouvons pas comprendre lorsque ces bien-aimés sortent de leur pays, de leur ville, de leur maison. But we don't realize that our brothers and sisters can't even leave their cells or their prisons or their homes. Et qui sont environnés d'ennemis. And when they do go out, they're surrounded by enemies. Et dans certains pays dont j'ai été, and in some countries, il y avait les policiers, les militaires. There were actually ça, police and military services. Avec les armes à la main qui vous pistaient. And they are armed and they go after Quelques these Christians. Horaires aussi de liberté. So their freedom is very limited. La nuit, les propagandes. Sometimes there's at Qu'un night, tel, they come in, they invade houses, they spread propaganda. Qu'un tel, un tel dictateur était le sauveur du monde. And they say that the dictator of that nation is the savior of the world. Son petit fils a pris la reprise. And then when this dictator's grandson takes control. Dans les magasins qui avaient simplement une façade. The stores established in that country, they only had a front. Il n'y avait rien. But there was nothing in the stores. Il n'y avait rien, il y avait simplement nothing que la façade. Available. Il n'y avait rien. Nothing at all. Voilà. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre. So we really can't relate pas to du that. Tout. Mais remercions Dieu parce que nous pouvons maintenant avec Porte Ouverte. But we can thank the Lord because now with the Open Doors Ministry. Avoir des moments auxquels nous pouvons prier pour eux. We have the opportunity to pray for our brothers and sisters. Nous investir dans les lettres auxquelles certains nous pouvons prier pour eux et écrire pour eux, pardon. We can also encourage them by writing them letters. They can receive our letters. Dans certains pays, nous pouvons aussi, entre guillemets, aller les visiter, entre guillemets. And in some countries, we have some ways to even visit them to encourage Frères et sœurs, Christ qui est là,
Merci d'être connecté avec nous. Thank you for being connected to us today. Pour pouvoir vraiment réaliser la bénédiction de Dieu qui nous donne. And I really pray that you realize the blessing we have. J'en reviens encore de vivre dans un pays de liberté. To live in a country that is free to worship the Lord. Mais aussi la responsabilité que nous avons. At the same time, we have a responsibility. Envers eux. Especially towards our brothers and sisters being persecuted. Alors, nous allons dans quelques instants prier pour eux. At the end of this, avec tout notre cœur. We're going to pray for them with all of our hearts. Toute notre âme. All of our souls. Laisser de côté la cuisson du repas. And leave all the other thoughts aside. Les enfants qui gigotent. The meal that you're going to prepare, or the children moving around you. Vraiment élever nos voix. And we're going to focus and raise our voices. Envers ce Dieu qui nous aime. Towards the Lord et qui les aime tellement. And who loves our brothers and sisters. De leur donner la force de supporter. We're going to ask God to give them strength to endure. Et d'être encore des témoins à la gloire de Dieu. And to be strong witnesses for the glory of God. Afin d'en sauver encore la multitude. To save a multitude of beaucoup, souls. Beaucoup parmi leurs témoignages, parmi les prisonniers. Amen. Especially in the prisons where they're being held. Merci. Thank you merci for listening. Merci beaucoup, Eliane. On a aussi nos deux pasteurs, pasteur Samuel et pasteur Jean-Pierre. Alors, y a-t-il une question de votre part ou peut-être de l'Internet? We have also with us Pastor Samuel, Pastor Jean-Pierre, and I'm just wondering if some of you sent your questions to them as you're watching this by Internet. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur Robert. Bonjour, pasteur Samuel. Il n'y a pas de question pour le moment, mais moi j'ai une question en tout cas pour Jonathan. I have a question to ask. La parole de Dieu nous dit, certes, nous devons être pratiquants de la parole. Now the Bible tells us to put into practice the word of God. Mais comment aller au-delà d'être juste émotionnellement touché par un message tel que celui-ci, mais d'être impliqué d'une façon plus concrète et active? What can we do when we hear a message as we heard today, not simply to be moved or touched, but to take it a step further, to be committed in some very practical way to participate in the work of God for the persecuted church? Good. Okay. Très belle question. Merci, pasteur Samuel. Thank you, pastor Samuel. C'est vrai que souvent l'émotion c'est instantané et après on passe à autre chose. It's true. Sometimes you hear a message, you're profoundly touched, but then the next hour you're thinking about something après, else. Après on va passer à nos poulets, à tout ce qui nous entoure derrière. And we forget everything that we've heard. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que clairement par rapport à nos frères persécutés. What we can remember from our persecuted brothers and sisters. La première chose qu'ils demandent, c'est de prier pour eux. Is simply this. The first thing they ask of us is to pray for them. Prier pour eux afin qu'ils tiennent bon. Pray for them so that they stay strong. Parce que quand nous voyons la Corée du Nord avec leur prison, if you see, for example, in North Korea, the prisons that are filled with Christians, c'est pas possible, c'est infernal. It is horrible, the worst possible conditions. Après, je sais que Porte Ouverte, ce que Porte Ouverte fait aussi. However, the Ministry of Open Doors, Porte Ouverte accompagne, par exemple, en Syrie, il y a des personnes qui sont revenues de leur exil. Is also doing things in countries like Syria where they have Syrians coming back after their exile. Et donc, Porte Ouverte a permis à ce que ces personnes puissent s'installer. Il y avait un dentiste qui a vu sa clinique être créée. Il y a eu aussi, c'est surtout aussi, ils aident au niveau de l'étude de la parole de Dieu. So they help principally in two ways in countries like Syria. They're going to help people get settled. For example, a dentist who was able to open his dental cabinet. And then they will help Christians in these countries study the word of God. Parce que le risque, c'est que si ces personnes ne savent pas lire, si ces personnes ne comprennent pas la parole de Dieu, you know, in some of these cases, people don't even know how to read. So how can they read the word of God? Ils sont facilement influençables. And the problem with that is that they will be very easily influenced. Donc clairement sur le site de Porte Ouverte, on peut faire des dons, on peut accompagner. Il y a assez de projets qui sont là. Et so, si... besides praying, you can also give and support the ministry so that such projects and plans can be achieved. Et donc si Dieu vous met à cœur de pouvoir participer à ces projets-là, vous pouvez participer. If the Lord is putting it on your heart today to support this ministry, you are able to do so online. Mais la première des choses, c'est de prier. But even before that, please begin to pray.
Il y a aussi un site internet, on peut le poster dans le chat, portesouvertes.fr. We're going to give you the website in the chat if you're following along on YouTube. Maintenant, je ne sais pas si, si on peut afficher une graphique que j'ai envoyée ce matin, là où on voit la carte du monde. Oui. This morning I discovered some interesting graphics and I specifically found a map of the world that indicates the countries that have the highest level of persecution. Est-ce possible de l'afficher encore? Do you have that map? I wonder if we could show it to you on the screen. Non, c'est pas possible. Not today. Okay. Okay. Bon, mais, dommage. Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, sur ce point-là, cette année il y a eu le Burkina Faso qui est rentré à la 28e place. Wow. So this year we noticed one change. Burkina Faso actually was entered as the 20th nation being persecuted. Donc on parle du Burkina Faso, c'est le pasteur Mamadou Karambiri et il y a vraiment des chrétiens qui sont vraiment à l'œuvre pour le Seigneur là-bas. There are several Christian pastors that we personally know that are working for the Lord there. Ils n'étaient pas, je pense même pas, ils n'étaient pas dans les 50, ils n'étaient pas dans les 80, ils sont rentrés comme ça. Before this year, they were way down in number 80 or 90, but this year, the persecution has gone up so much that they've taken the 20th position. Tout simplement parce qu'il y a des attaques terroristes qui sont en train de, franchement, d'arriver sur carrément l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et plein d'autres pays. And this is largely due to the Islamic terrorists that are invading from the western border and the other countries surrounding Burkina Faso. C'est ce que je voulais relever. Ce qui est assez parlant, c'est que quand tu commences dans le nord de l'Afrique, and if you look at the map of Africa, you start in the north and then head to the Middle East, vers l'Inde, l'Asie, and then a little further Corée du Nord, to India, c'est vraiment une bande, and then North Korea. Là, it's like one strip of persecution across the planet. Particulièrement affecté. That is particularly touched. Pour les chrétiens ici, for Christians here in the West, y a-t-il une façon pour nous de nous informer? Is there a way that we can be more informed? Pourquoi la question? Parce que pour moi, j'arrive à prier avec beaucoup plus d'intensité. I'm asking the question because for myself, I pray with much greater intensity. Quand je suis bien informé, if I know specifics, I'm prier better informed. Parce que je sais que je dois prier. If I'm just told pray because you need to pray. Ouf, okay, je le ferai, okay, mais I'll do it. Fine. Mais no problem. Tu vois, mon niveau, par exemple, là, on va prier tous ensemble. Je suis sûr que les gens vont prier. And like when we were praying at the end of this service. Pour les églises persécutées, peut-être pour la première fois de leur vie. Perhaps some people connected will be praying for the persecuted church the first time in their lives. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce dimanche consacré à ce sujet. Once a year, we have one Sunday dedicated to the persecuted church. C'est juste qu'il y a 51 autres dimanches dans l'année. But there are 51 other Sundays in alors, a year. Comment nous pouvons nous informer de ce qui se passe? How can we be more informed? Et prier d'une manière mieux ciblée. D'accord. And pray in a way that is a lot more targeted. Alors sur le site Porte Ouverte. On the Open Doors Antenna, the website. Il y a un onglet qui s'appelle Fil Rouge. There is one a section called Fil Rouge in French. Donc qui permet à chacun de s'abonner à ce qu'on appelle le Fil Rouge. This allows you to actually subscribe and receive news on a regular basis. Voilà, et à partir de là, on reçoit chaque mois, chacun choisit chaque mois, chaque semaine. Les sujets du fil rouge sont des sujets importants du moment. And you can actually choose with which frequency you would prefer to receive, whether it's monthly or weekly, and you would be kept up to date. Donc c'est une newsletter qui nous permet de rester au courant de l'actualité de l'Église persécutée dans le monde et d'avoir les sujets de prière percutants pour les chrétiens, parfois même dans des états ou des situations très critiques. So this subscription will allow you to be aware of current events in different countries of the world, and particularly if there are emergencies that arise. Et en plus de cela, on peut aussi s'abonner à ce qu'on appelle, c'est comme un pack que Porte Ouverte nous envoie, le magazine, avec un calendrier de prières, où on a des prières quotidiennes pour les chrétiens persécutés. And there's also an opportunity to sign up for a pack that you can receive from Open Doors where you get a monthly prayer calendar and every single day of the month there's a specific target to be praying for.
Donc c'est un magazine que Porte Ouverte envoie chaque mois, chaque début de mois, donc avec les actualités de Porte Ouverte, le calendrier et aussi un petit flyers qui vous permet de vous de contribuer financièrement pour les œuvres que Porte Ouverte fait à travers le monde. So if you subscribe, you get a magazine that gives you headlines and a prayer calendar, and you'll also find an envelope with which you could send a donation to the ministry. Donc c'est là les principaux moyens que Porte Ouverte met en place pour rester informé et prier. These are the things that Open Doors has actually put into place to keep people informed. Et pour ajouter, je pense que ça coûte 11 euros. Je crois bien. Ah oui, en effet. Il coûte 11 euros. Et franchement, je vous exhorte à pouvoir souscrire à ce magazine-là. I really encourage you to subscribe. Parce que c'est vrai que quand nous lisons les sujets, when we read these subjects, nous comprenons que le Seigneur vraiment est en train d'agir dans ces pays-là. We begin to see how the Lord is moving in those countries. Et nous voyons aussi des témoignages de ce que le Seigneur fait. And we begin to receive the testimonies of what God is doing. C'est vrai que nous prions pour eux. So we pray for them. Mais aussi, ils nous édifient aussi. But even in doing so, we're reading all the good news and being edified ourselves. Je pense aussi qu'avec les 11 euros, ça permet aussi à Porte Ouverte de pouvoir avoir des sous. And I believe that the subscription price is actually supporting the ministry and giving some funds. Pour pouvoir aider. And being able to help the persecuted. Donc, on fait deux choses à la fois. So you're accomplishing two things at the same time. On prie. You're praying. Et on contribue financièrement. By being informed and you're contributing to the needs of the Alors, ministry. Si j'ai compris bien, c'est 11 euros par mois. Par année. Par année. Par an. Par an, oui. It's only 11 euros per 11 euros par year, an. Not per month. C'est même pas 1 euro par mois. Même pas. That's not even a euro a month. Vous imaginez, frères et sœurs. Can you imagine? Pour just moins for that information. 1 euro par mois. Mm-hmm. Et vous restez en contact. And you remain informed. Et honnêtement, je connais pas un autre ministère qui défend l'église persécutée aussi autant que I know no other ministry that supports the persecuted church in such a concrete way. Donc j'aimerais juste voir si le pasteur Jean-Pierre n'aura pas une question pour notre panel. Before we go to prayer, I'm just going to check with Pastor Jean-Pierre if he has a question. Si, bien sûr, j'ai une question. Of course I do. Et en fait, j'ai été très touché par le message de Jonathan tout à l'heure. I was very touched by your message, Jonathan. Surtout quand il nous disait que c'est l'Église persécutée qui nous parle. Especially when you said the persecuted church is actually speaking to us. Et en fait, j'ai aussi suivi le frère André il y a quelques années. For several years, I also followed the ministry of Brother Andrew. Et une des choses qui m'avait interpellé lorsque j'ai lu un de ses livres. When I saw one of his books once, I was really moved. C'est qu'à un moment donné, il parlait avec un responsable d'église, justement d'église persécutée. One time in the book, I read that he was speaking to a leader of a persecuted church. Et donc, je paraphrase un peu l'entretien. And I'm just going to paraphrase what he said. Et il a demandé à ce frère, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que la persécution? Brother Andrew asked this brother, what is pire? What's the worst kind of persecution? Et la réponse de ce frère était stupéfiante. Elle dit, c'est ce que vous avez dans votre église, l'église occidentale, c'est le confort. Wow. He said this, the thing that is worse than persecution is what you have in the Western church, your c'est comfort. C'est la pire des choses que l'église occidentale a, c'est le confort. It is the worst possible thing that the Western church has. Et comme Jonathan a fait mention dans son message, il parlait de se trop occupé pour trouver Dieu. And as Jonathan mentioned, when we become too busy to be with the Lord. Et je crois vraiment, surtout dans ces temps de pandémie dans lesquels nous vivons, Dieu vraiment nous arrête. Il nous dit de nous arrêter, comme nous dit aussi le titre du message. And I believe God, even through this pandemic, has been saying to us, be still, know that I'm God, come back to me. Et peut-être de reconsidérer la façon dont on voit notre foi. And also look at the foundations upon which you've based your faith. La façon dont nous voyons notre monde. And the way you're seen in the world around you. Et la façon dont nous cherchons vraiment notre Dieu. And the way that you dedicate yourself to seeking the Lord. Et la question que j'ai pour tous les trois, si l'un des trois peut répondre. So this is my question for the three of you. Quelles sont selon vous les choses dont on peut se séparer, les choses inutiles, dont on peut se séparer simplement pour pouvoir chercher Dieu?
What do you recommend if we're called to get rid of the things that are not useful et constante. So that we can seek God in a way that is far more consistent? What would those things be? What should we get rid of? Come on. Atomique. I love this question. J'aime trop cette question. Je vais essayer de répondre. Alors, dans le thème de Porte Ouverte cette année, c'était arrêter et sachez que je suis Dieu. Et je crois que pour trouver ce dont on peut se séparer, ce qu'on peut donner en plus à Dieu, il faut déjà savoir qui est Dieu. The goal is to be able to know who God is. Et comme Jonathan l'a dit, on ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Donc si je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, je ne saurais pas de quoi me séparer. In other words, if I don't know what God is expecting from me, I don't personally know what I need to get rid of. Et c'est ça, Dieu nous dit la première chose que dont il a besoin, c'est de notre présence, c'est de notre cœur. The first thing God is asking for from us is our hearts, our lives, our presence. Et la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. And the Bible also says that from the abundance of the heart, the mouth speaks. Donc je crois, pour répondre au pasteur Jean-Pierre, la première chose qu'on a, dont on doit se séparer, c'est des choses qui détruisent ou alors qui mangent notre temps. Voilà, pas forcément notre temps, mais notre cœur, qui prennent notre cœur. So the first thing we need to get rid of is not necessarily the things that consume our time, but the things that consume our hearts. Les choses qui occupent la place de Dieu dans notre cœur. What things are taking the place of God in our hearts instead of God? Ça peut être plein de choses, ça peut être le divertissement, ça peut être notre travail, ça peut être même nos enfants, notre famille, ça peut être plein de choses qui, à première vue, ne mangent pas du temps ou sont même utiles à la vie. You know, it's probably different for every single person. For one person, it would be their work, another person, their family. It's not necessarily things that take up time, but really consume our energy and our attention more than other things and more than God. Mais dès lors qu'elles prennent la place de Dieu dans notre cœur, il y a un problème. Anytime something takes the place of God in your heart, that's where the problem lies. Et en priant pour les chrétiens persécutés, c'est le message que nous recevons tout le temps, c'est Dieu d'abord. And the message we hear repeatedly from persecuted brothers and sisters is God first, God above all. Quand on entend une femme qui a perdu son mari parce qu'il a été battu à mort par des islamistes radicaux. Recently, a wife lost her husband because he was beaten to death by Islamic radicals. Dire je pardonne et je rends gloire à Dieu. And her words were, I forgive these men and I give all the glory to God. Ça se voit que dans son cœur, c'est Dieu qui a la première place et pas son mari. You could see in her life, God was first and not her husband. Et dès lors que nous aurons mis Dieu à cette place-là dans nos vies, comme eux, ils le font. So if we learn to put God, give God the first place in our lives the way they have done. Je crois que ça sera une évidence pour nous de s'arrêter et de donner à Dieu le temps qui lui revient. At that point, it'll become obvious to us what we need to give to God. Je crois vraiment que nous devons leur demander de prier pour nous. I think we need to ask our persecuted brothers and sisters to pray for us. Honestly. Parce qu'en fait, de vous écouter, je me dis que vous décrivez un chrétien normal. You know, to hear you speak, it's like you're just. Vous voyez pas que vous croyez en Dieu. Don't even reveal to the authorities that you're a Christian. Parce que dès que vous affichez votre foi, as soon as you reveal your faith, en quelque sorte, vous signez votre arrêt de mort. You're already signing your death certificate, basically. Et alors, comment faire passer un message pareil dans l'Occident? C'est ça le défi, mes amis. Our challenge is how to make this message known in the West. Et peut-être vous n'êtes pas de l'église du Bon Berger. If you're watching today, you might not even be a member of Bon Berger. Temps, vous connectez à notre culte. Maybe you're just connected since for a few weeks. J'aimerais simplement vous dire que ici nous prêchons un message de la croix. I just want to let you know, in this church we preach the message of the cross. Et nous attendons à ce que chaque membre devienne un vrai disciple de Jésus-Christ. And we expect every member of this church to become a true disciple of Jesus Christ. Nous avons vu cette année
We saw it this year. À quel point, en toute rapidité, on peut perdre nos libertés. How quickly it is, how easy it is for us to lose our freedom. Il suffit que le gouvernement trouve une bonne excuse. As soon as the government finds a good excuse to not have church services. Ils claquent les doigts et ferment les lieux de culte. They snap their fingers, the doors of the church are locked. Ils nous enferment à la maison. And they shut us down in our own homes. Ils peuvent nous donner une amende pour une raison qui, pour eux, c'est justifié. And they can even give out tickets and fines, and for them, okay, écoutez, it's justified. Listen. Je ne dis pas que nous vivons la persécution. Now, I'm not saying we're living the experience of persecution. C'est juste que on voit combien si vite ça peut basculer. We simply see how quickly it can go in that direction. Et je pense que en ce jour-là, mieux que n'importe quel autre jour, c'est le temps pour la solidarité avec nos frères et sœurs persécutés. And today more than ever it is time to be in solidarity with our persecuted brothers and sisters. J'aimerais qu'on prenne quelques moments là ensemble. I'd like us to pray now. Okay. Avec tous vous qui sont à la maison. With all of you who are connected at your homes. Jonathan, tu m'as dit tout à l'heure que vous avez quatre sujets de prière. Oui, you have four subjects you'd like to suggest. Oui. Let's do that. Est-ce que tu peux nous les donner et puis après on va se lancer dans la prière. Est-ce qu'on peut déjà I believe that we even made a little slide so that we can keep this slide on your screen and keep these subjects before your eyes so that we can pray together. Thank you, Jesus. Très bien. Que tu es là. We bless them and comme tu l'as promis dans ta parole, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Even to the ends of the earth. Oui, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons parce que tu tiens tes enfants dans tes bras. You keep your loved ones in your arms. Tu ne permets pas qu'ils tombent. You don't let them fall. Tu les soutiens. You undergird them. Tu les encourages. And you encourage them. Tu leur donnes d'être vraiment entourés par ton amour. You allow them to be surrounded by your love. Et que ton Saint-Esprit les anime. And your Holy Spirit awakens them. Afin que là, en prison où ils sont, so even when they're in prison, ils puissent encore témoigner de ton amour pour sauver leurs âmes. They will be able to testify of your love to save souls. Nous savons qu'ils ne sont pas là. We know that they're not there by chance. Par erreur. Or by mistake. Mais parce que tu as un plan pour eux et pour ceux qui les côtoient. But you have a plan for each of them. Et nous voulons vraiment que le ciel s'ouvre sur eux. We declare open heavens over their lives. Afin que tous les autres codétenus et leurs gardiens so that other prisoners and even the jail guards soient témoins, témoins que tu es vivant, que tu es le Dieu vrai, would be able to see that you are the one true God, the living God, le Dieu qui est venu sous la forme d'un homme, the God who came as a man, pour nous montrer le chemin qui est la vérité, to show us the way, the truth, and the life, en Jésus-Christ notre Sauveur, in Jesus Christ our Savior, et nous les bénissons au nom puissant so de Jésus. So we bless these people. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais aussi juste encourager, avant d'attaquer le prochain sujet, encourager tous ceux à la maison de vraiment entrer dans ce temps de prière. Allow me to encourage those of you who are connected at home, okay, before we go to the next subject, enter into the spirit of prayer. This is important. Et même si vous avez des enfants à la maison, de les demander de venir maintenant et prier avec vous. If your children have finished the children's ministry, bring them to you now so they can pray with you. Et ceux qui sont ici avec nous dans la salle, merci d'entrer dans ce temps de prière. And those of you who are with us in the room, let's enter into the prayer time. Oui, comme le pasteur Robert vient de le dire, n'oublions pas à mettre nos enfants au courant des autres enfants de familles persécutées. Let's not forget to tell our children about other children who are being persecuted in the world. Eux aussi sont persécutés. Because they too are suffering. Eux aussi sont vraiment maltraités. And they're horribly treated. Par leur famille, déjà. Even by their own families sometimes. Leur voisinage. And in their neighborhoods. Leur quartier. In the places they live. Ils sont battus, eux aussi, les petits-enfants. They are beaten, even the small children. Alors que nos enfants à nous, so let us inform our children, puissent être aussi sensibles à la détresse de ces petits-enfants, so that they would be sensitive to the distress of other children, dont certains ont perdu leurs parents dans d'atroces souffrances. In certain countries of the world. Pour le deuxième sujet, now ce sera l'Érythrée, We're going to pray for Eritrea. Kiglu,
Gerbre Melskel, en prison depuis 2004, à cause de sa foi, bien sûr. He's been in prison since 2004 because of his faith. Ce pasteur n'a jamais connu de procès. And he never even went through a trial. Son épouse et leurs quatre enfants n'ont pas pu lui rendre visite. His wife and four children have been unable to visit him for that whole time. Pourtant, pour son pays, ce n'est pas n'importe qui. Pourtant, pour son pays, ce n'est pas n'importe qui. But for his nation, he's not just anyone. Il a un doctorat en mathématiques de l'Université de Chicago. He actually has a PhD from the University of Chicago in mathematics. Il peut donc énormément apporter à son pays. So he could be a huge blessing to his country. Frères et sœurs, entourons-le de prière. Let's pray. Let's do this together, brothers. Pour qu'il soit fort dans sa foi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. C'est toute l'Église qui prie. Lord, your church is c'est toute l'Église qui est en prière pour notre frère. Interceding for our brother. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nos prières, elles montent vers toi. Our prayers are being heard. Pour redescendre dans sa vie, so dans la vie de ce frère. Could pour out your grace on our brother. Qui n'a pas vu sa femme et ses enfants depuis 2004. He hasn't seen his family 16 ans sans leur voir. Nous te prions réellement de le fortifier. Strengthen him. De l'encourager. Encourage him, Lord. De l'entourer par devant, par derrière. Surround him and go before him. Et que seul ton Saint-Esprit l'anime, le conduise, le guide. That the Holy Spirit would come upon him and lead him and strengthen him. Et le dirige encore à être ton témoin. And use him as a powerful witness in that place. Nous voulons te demander toute ta force, Seigneur, en lui. Give him your unlimited strength, O God. Que véritablement il soit entouré des anges. That he would even feel that he is surrounded by the angels. Et comme tu l'as fait pour notre Seigneur Jésus. As you did for your que les anges le fortifient. As you did for Jesus, let the angels afin come, qu'il soit encouragé. So that he would find courage. Oui, Père, nous te le présentons, lui, sa famille, ses enfants. So we lift him up to you, as well as his family, sa communauté, and his church. Ses amis, sa ville. His friends and nous his te city. Le présentons. We lift him up fortifie-le. Strengthen fortifie-le. Him now. Fortifie-le. Strengthen him now. Dans le nom précieux de Jésus, fortifie ton fils. In the precious name of Jesus. Et offre-lui la liberté. And give him freedom. La liberté de revoir ses bien-aimés. Afin people. Qu'il glorifie encore ton nom. So that he would glorify you in this way. Merci Père, merci Thank au you, nom Father. Puissant de Thank Jésus. You, Lord, in the mighty name of Amen. Jesus, we pray. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ça va. Alors, le prochain sujet, c'est celui de Mohamed Vafarda, qui vient de l'Iran. As you see it on the screen. Donc, il est condamné à 5 ans de prison, faussement accusé d'atteinte à la sécurité nationale. He's been condemned to 5 years in prison. Donc, il a été arrêté avec 8 autres chrétiens lors d'un raid de la police dans les églises de maison. With 8 other Christians in a police raid. At his house. Donc nous allons prier pour Mohamed. Let's pray for Mohamed. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Parce que tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Et nous savons qu'il n'y a aucune prison, aucun lien, aucun verrou que tu ne peux détruire, que tu ne peux briser. Nous te bénissons pour la vie de Mohamed. Nous te bénissons parce que tu gardes son cœur, tu gardes son âme, tu gardes son esprit, afin qu'il demeure dans la foi, dans l'espoir et dans l'espérance que tu es le Dieu de son salut. Merci parce que tu le gardes en sécurité. Nous savons que les prisons de l'Iran ne sont pas des endroits sûrs pour les chrétiens. Nous savons qu'ils peuvent être maltraités, qu'ils peuvent subir toutes sortes de préjudices. Mais nous te prions pour ton fils Mohamed. Nous te prions afin que ta main soit sur lui, comme ta main était sur Joseph en prison. Nous te prions que ta protection l'entoure, comme l'a entouré Daniel dans la fosse. Nous te prions, Seigneur, afin que tu le délivres, comme tu
tu as délivré Pierre, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, nous savons que tu es le Dieu qui agit. Et nous savons que tu agiras pour Mohamed. Nous savons que tu as déjà commencé à agir. Nous savons que ta main s'est étendue sur la prison où il est. Ta main s'est étendue dans la situation dans laquelle il se trouve pour le libérer. Parce que ta main n'est pas courte pour le délivrer. Amen. Et tes oreilles ne sont pas petites pour écouter nos prières et pour nous exaucer. Amen. Oui, il est malheureux dans sa prison parce qu'il ne peut plus prêcher l'évangile dans la liberté. Il est malheureux dans sa prison parce qu'il ne peut plus parcourir les villes de son pays pour annoncer le salut. Et ce malheureux crie à toi et nous savons que tu l'entends. Et du haut des cieux, tu déploies ta puissance et ta force pour venir à son secours. Et nous croyons, Père, que par la puissance qui est dans le nom de Jésus, tu ouvriras cette porte, tu ouvriras la porte de sa prison et tu le délivreras parce que tu es le Dieu qui a les clés de toutes les prisons et tu ouvres pour que plus personne ne puisse enfermer tes enfants dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier aussi pour Sagifta Kosa. The last subject is Sagifta. C'est ça. Qui est emprisonnée au Pakistan. And she's in prison in Pakistan. Et depuis 2013, en fait. And she's been there since 2013. Et en fait, c'est ce sujet particulier parce qu'elle est dans la même prison qu'une ancienne détenue que nous connaissons qui s'appelait Asia Bibi. She's in the same prison as Asia Bibi was for many years. Et en 2018, lors du DEP, du dimanche de l'église persécutée ici au Bon Berger. In 2018, when we had the Sunday dedicated to the persecuted church in this here location. Nous avons prié pour Asia Bibi et même fait un sketch à son sujet. We did a skit about Azizi and we prayed for her. Do you remember? Et quelques semaines, quelques mois plus tard, elle était miraculeusement libérée. And a few weeks later, she was miraculously set free from prison. Et aujourd'hui, elle est au Canada. Today, en sécurité avec toute sa famille. Safely in Canada with her family. Donc c'est pour vous dire à quel point vos prières comptent, à quel point nos prières sont puissantes. That should give you an example of how powerful your prayers are. Donc nous allons prier pour Sagifta. Let's pray for Sagifta now. Seigneur, nous te rendons grâce. Lord, we bless you and we thank you. Nous te bénissons. We honor you. Et nous savons, Seigneur, que c'est un clin d'œil le fait qu'elle soit dans la même prison que ta fille Asia Bibi. We know you're moving because this sister finds herself in the same prison as Asia. Dans la même cellule. In the same cell. Et elle est emprisonnée par les mêmes portes. She has been imprisoned by the same doors that are locked. Et ces portes que tu as autrefois ouvertes. And you've opened those doors once already. Ils font semblant d'avoir voulu la fermer. They try to keep them locked. Mais nous savons que tu es le Dieu qui ouvre et personne ne ferme. But you are the God that opens doors that no man can shut. Alors nous savons que Sagifta n'est pas en prison, elle n'est pas enfermée. She is not locked in there. Parce que dans le ciel tu as déjà ouvert cette porte. Because in heaven you've already opened the door. Et nous déclarons qu'elle sera libérée. And we declare she shall be released. Elle sera libérée parce que tu es le Dieu de la liberté. You are the God of liberty. She will come into freedom. Parce que tu es le Dieu de la délivrance. You are the God of deliverance. Parce que tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. You are the God of the impossible. Merci Père. Thank you Father. Merci pour Sagifta. Thank you for Sagifta. Merci parce que tu gardes son cœur en sécurité. You've kept her heart safe. Parce que tu gardes son esprit dans l'espérance. You've kept her hopes up. Dans l'espérance de ton retour. In the hope of your return. Dans l'espérance de son salut. And in the hope of her salvation. Merci parce que tu la protèges de toute attaque de l'ennemi. Thank you for protecting her from every attack of the enemy. Tu la protèges de toute insécurité. And from every form of insecurity. Merci parce que tu prépares un chemin. You've already prepared the way. Tu prépares une voie. You've already prepared the path. Par laquelle elle sera libérée. Through which she will be set free. Par laquelle elle sera délivrée. And she will be delivered from this prison. Merci parce qu'elle sera un nouveau témoignage. Thank you because she will be a new testimony. Comme Asia Bibi. Like as he was in that prison. Que au Pakistan. In Pakistan. Tu es Dieu. Because you reign and Qu'en you are Inde, God. Tu es Dieu. As in India, Qu'en you Iran, are God. Tu es Dieu. As in Iran, you are Qu'en God. Chine, tu es as Dieu. In China, you are God. Et nous proclamons, Père, and we proclaim, Father, que tous ces dirigeants, that all of these authorities, eux aussi s'arrêteront. They will be still. They will know. Déclareront que tu es Dieu. Amen. Ils sauront que tu es Dieu. They will know that you que are the one Que tu domines sur les peuples. That you dominate que over tu domines the sur the les nations. Et que tu domines sur toute la terre. Through the whole earth. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus, we declare it. Amen. Amen and amen. Et tout le monde a dit amen à la maison aussi. Amen.
Alors, Jonathan, on arrive à la fin de notre temps. Jonathan, this is the end of our time. It goes quickly, doesn't it? Mais pendant qu'on priait pour nos bien-aimés, as we were praying for our beloved brothers and sisters, je crois que le Seigneur m'a mis à cœur. I believe the Lord had put it on my heart. Il y a peut-être quelques frères et sœurs qui nous écoutent actuellement. That there might be some brothers and sisters listening to us. Peut-être dans ta famille, tu es méprisé pour ta foi. Who discover that even in your own family, you have been mocked, or in your place of work, in your own family. Merci. Micro. Alors, on va prier pour ceux et celles qui sont à la maison. We're going to pray for those of you who are at home. Et peut-être, toi, tu es dans ta famille, tu es méprisé pour ta foi. Maybe some of you at home are being despised because of your faith. On se moque de toi. Or you're being mocked at work because you're a Christian. Ou tu es peut-être marginalisé dans ton voisinage. You perhaps feel left out in your neighborhood. Parce que c'est toi le chrétien. Because you're known as the Christian. Petit pauvre chrétien. Oh, the poor little Christian. C'est une forme de persécution. You know, that too is a form of persecution. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nos bien-aimés en Corée du Nord subissent. Obviously, it's not as bad as in North Korea. Mais c'est quand même une forme de la persécution. But it is a form of persecution. Jonathan, si je peux te demander de prier. I'm going to ask Jonathan to pray pour nos bien-aimés. For our brothers and sisters. Dans le monde dit libre. In what we call the free world, mais souvent méprise, un monde qui méprise la foi. But nonetheless, a world that despises our Christian Amen. Faith. Prions. Let's pray. Abba Père, nous venons devant toi, Seigneur. Father, we come before you. Toi qui as fait le ciel et la terre. You are the creator of heaven and earth. Toi qui un jour, lorsque nous étions loin de toi, tu nous as appelés tes enfants. When we were far from you, you called us to you. Et Seigneur, tu appelles qui tu veux, Jésus-Christ, à ton you service. Call those that you have destined to be with you. Seigneur, tu vois que dans ce monde, in this world, Lord, parler souvent de toi, ça, c'est un peu compliqué. Sometimes when we want to talk about you, it's complicated. On nous prend comme des fous. Because we're considered crazy. On nous prend comme des personnes insensées, Jésus-Christ. Or we're considered weak. Et beaucoup de tes enfants souffrent de cela, Jésus. And many of your children suffer because of it. À telle enceinte qu'ils ont envie de lâcher. Some to the extent that they want to let go. À telle enceinte qu'ils ont envie d'abandonner pour et même fuir Jésus-Christ. Their faith or even flee from you. Seigneur, nous te prions pour eux, Jésus-Christ. So we're praying for them today, nous Lord. Nous te prions parce que Père éternel, tu les as aimés le premier. You loved them first. Avant, depuis le sein de leur mère, Seigneur, c'est toi qui les connaissais, Jésus-Christ. Even because Amen. Before they knew you, you knew them. Et si tu les as choisis, c'est pas fortuit. And you chose them, it's not by chance. Seigneur, que tu puisses les remplir de ton amour, Jésus-Christ. Fill them now, Lord, with your love. Que tu puisses les remplir, Seigneur, de ta force, Jésus-Christ. Fill them now, Lord, with your strength. Et que rien ne puisse ébranler leur foi. So nothing would be qu'ils tiennent their bon. Faith, that they would stand qu'ils tiennent strong, bon, Jésus-Christ. They would stand firm in et Christ. Qu'ils puissent continuer cette marche, Jésus-Christ. And they would continue to Seigneur, grow in you. Je prie. And I pray today, afin qu'ils soient les lumières autour d'eux. So that they would become the light in the darkness around them. Afin qu'ils soient le sel autour d'eux. The salt of the earth. Et qu'au travers leur vie, and that through their lives, les gens puissent voir Jésus-Christ. People would see Jesus. Qu'au travers leur vie, Jésus-Christ, and through their lives, Jesus, leur entourage soit impacté, Abba Père. Their surroundings would be impacted. Seigneur, je te prie réellement. And I pray this now. Je te prie réellement de les aider. Help them be strong. Seigneur Jésus-Christ, aide-les, Jésus-Christ. Help them be a witness. Et permets, Seigneur, à nos frères qui sont chrétiens, qui ont honte, Seigneur, especially I pray for those that may be ashamed of the gospel, de témoigner de toi. Let them rise up and witness of you. Ta parole déclare que si vous avez honte de moi sur la terre, because you said in your word, if you are ashamed of me, devant mon Père, j'aurai honte de vous. Here on the earth, I will be ashamed of you before the Father. C'est vrai que c'est pas facile. And we know that it's not easy. Mais Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous donner la force de témoigner de toi. But your Holy Spirit is the power that gives us to witness. Afin de faire des percées dans le monde des ténèbres. The ability to witness and to have a breakthrough in the darkest places. Car le monde entier nous attend. The world is waiting. Nous n'avons pas le droit de nous taire. We are not meant nous n'avons to pas be le droit de fermer notre bouche. Having our, keeping our mouths closed. Parce que nous voulons juste préserver notre personne. Simply because we want to protect ourselves. Mais Seigneur, nous avons été sauvés pour te servir. We know we've been saved. Et Seigneur, to serve je prie you. Que ton feu nous remplisse tout so et chacun de là où nous sommes. Fire of God to fill us now que ta in force Jesus nous remplisse, Seigneur Jésus-Christ. And your strength would be our pour que Père éternel, ton yes. nom soit annoncé partout so le monde. And so that your message would be announced everywhere we go. Pour que les gens puissent voir combien de fois tu es un Dieu bon. And so everyone would see that you are Merci, indeed Jésus-Christ. A good God. In the mighty name amen. Of Jesus, we pray. Hallelujah. And everybody said amen. Et tout le monde amen. A dit amen. Gloire.
Glory to God. Jonathan, thank you. Merci, Baudouin, Jonathan. Eliane. Thank you so much. Thank you, everybody at home. On a rapidement un dernier mot. Désolé, pasteur. Oui. Au fait, nous, c'est la cellule porte ouverte. Nous prions chaque trois dimanches du mois. Donc, we pray every third Wednesday of the month. Voilà, donc troisième dimanche du mois. A Sunday of the month, sorry. Third Sunday of the month. Voilà, donc vous pouvez vous joindre à nous. And you are more than welcome to join us. Ça serait un plaisir pour nous de vous recevoir. It would be a great honor to host you for these times of prayer once Merci. A month. How would they contact you? Comment ça, participer à la prière des troisième dimanche? Bon, vous pouvez. Actuellement. Donc vous pouvez nous joindre à partir de l'adresse mail, alors porte ouverte au pluriel. @lebonberger.net si je ne me trompe pas, c'est ça. The address, porte ouverte au pluriel @lebonberger.net. The address you can write to to indicate your interest is portes with an S, ouverte with an S, so plural, @lebonberger all one word .net. Okay, Merci. And we'll put that in the chat right now. Et vous allez voir cela, okay. Cette adresse dans le chat. Thank you so much again. Merci encore, pasteur. Frères et sœurs. Okay, may the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord keep you. Et Amen. Vous garde. And may He make His face shine on you. Qu'il fasse briller sa face sur vous. And give you His grace. Et vous accorde sa grâce. May the Lord turn His eyes towards you. Que le Seigneur dirige son regard vers vous. And give you peace. Et vous accorde sa paix. We love you. Nous vous aimons. Be blessed. Soyez bénis. And be a blessing. Et surtout, soyez une bénédiction. Bye-bye. Amen. Au revoir.